Indien joue hollandais. Allez. Jamais. Indien hollandais, c'est pour la première game, c'est parti comme ça? Ouh là là, je... ça va Ok. piquer ça, les petits codes Du coup, indiens. Fenrir, si tu peux juste les mute et les mettre en sourdine. Et Ouais, puis, bah bonne game bonne à game. vous, les amis. Merci, hein. Bonne game, Hostide. Bonne game. Merde, je t'ai muté, Géo, sans faire assurer. Merci. Êtes-vous prêt? Êtes-vous prêt? Oui. Ah, je peux t'en dire. Bah, ça va être sympa, ça. Ils me font stresser ces cons-là. Ah, en plus, on a travaillé un BO avec Hostile justement pour ce match indien-hollandais. Ah ouais, il se préparait à un indien hollandais? Il voulait, ouais. En plus, sur Manchuria avec les Yaks, hein, je l'ai dit, hein. Les Yaks. Hein. S'il va m'écouter, on verra. Voilà. Ça va être sympa. Ah, une petite queue, je monte. Salut les amis, on se retrouve donc pour le match 41 entre Hostide et Hannibal, les amis. Ça va être une grosse game, une très grosse game. Première donc demi-finale du tableau 3. Et donc le vainqueur accédera à la finale. Et puis le perdant ne s'arrêtera pas tout de suite, puisqu'il y aura quand même la petite finale. Les deux se connaissent parfaitement, donc ça risque d'être une game très serrée, les amis. C'est parti. Et puis, on a Fenrir qui va cast avec nous, qui va nous apporter Yes. sa petite expertise. Alors Hannibal qui joue donc hollandais qui est rouge et puis Hostile qui joue indien. C'est parti. On va voir les yaks parce que c'est vrai que c'est deux civilisations qui peuvent prendre pas mal de yaks avec l'émissaire côté hollandais et puis les éléphants de les héros de l'indien. Il a déjà pris les deux middle. Ouais, il a déjà pris les deux middle. Un yak pour Hannibal. La maison qui est en train de se faire côté Hostide. Hop. Bon bah il start déjà avec 6 vaches hein. Ouais, ça fait beaucoup là. Ça fait pas mal de yaks. Ça va faire beaucoup de nourriture supplémentaire. On va voir quand est-ce qu'il les utilise. Est-ce qu'il les utilise pour passer l'âge plus vite ou bien est-ce qu'il les utilise pendant l'âge 2 pour pouvoir faire plus d'unités. Pour l'XP surtout. Ah oui, pardon. Oh oui, oh là là, qu'est-ce que je dis? Oh, je suis pas réveillé moi. Mais oui, c'est indien, il peut même pas les bouffer. C'est vrai. C'est juste pour l'expérience. C'est juste pour l'expérience. Ouais, pas mal de yak, hein. Ouh là là, ça va en faire pas mal là. Encore, il a pas pris les trois chez lui. Il en a 7 pour le moment. Il en a 7. Il reste encore trois derrière son TC. Ouais. Et du coup, un seul yak pour Hannibal. Ça, c'est un petit peu embêtant. Ça lui aurait permis d'avoir pas mal de bouffe supplémentaire. Sans Est-ce que les deux ont déjà pris leur deck ou pas encore? Alors, Hollandais a déjà pris son deck. Il a pas encore exploré derrière chez lui, hein, Ouais. Hostile. Un deck plutôt classique. Plutôt classique. Il y a juste les 12 piquets suisses qui sont pas pris. Côté Hollandais. Et puis, côté Indien. Il n'y a pas les 600 de bois. Il n'utilise pas les 600 de bois, Hostide. Ok. C'est étonnant comme deck indien. Moi, je t'avoue que je suis assez loin de ce deck-là avec indien, mais bon. Bah, s'il fait le BO qu'il veut faire, normalement, non, c'est bon. Il aura pas besoin des 600 Il a les points. cartes importantes, ouais. Ouais, 90 de bois en tout cas ouais. qui vont être pris pour Hostide comme trésor. Ça, c'est très très important côté indien. Et l'âge qui est lancé pour Hannibal. Qui a quand même deux yaks au final. Yak, ouais. Donc il prend le 40, 90 euros, lui. Ouais. Il a pas encore Pas envoyé mal. de colon en avant, Hostide, pour faire son Ouais. fort. On va voir si C'est vrai que là, ça va être un peu tard, hein, s'il sinon. prépare autre chose. Non, il part avec son colon, mais ça va être un petit peu tard. Il va pas pouvoir aller très très loin. Je sais pas si c'était son objectif ou pas. Peut-être là. Là, il va perdre un Après, petit ouais. peu de temps du coup. Ouais. Il va pas être très 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 proche, donc Il a ça fait le jeu d'Hannibal. Ça c'est pas mal. Vous voyez qu'il a perdu six beaucoup de temps. Hein. 900 de nourriture, voilà, ça y est, c'est lancé.
Ah, il va peut-être avoir l'explo Ouais, il va aussi. avoir l'explorateur hein, Pour d'animal. l'XP, ça va être pas mal. Ah, Tiens, quoique. Non, il abandonne. regarde. Il s'en va, il le laisse. Donc, Shipment Sent, donc 3 colons côté hollandais et puis distributivisme côté, côté indien. C'est tous les combien de temps que ça donne de l'XP, l'IAC? Bonne question. Je sais même pas si on peut voir ça dans les stats. Je pense pas Ça, à. Attends. 5 XP là, juste un instant. Là. Ouais, je sais pas c'est comment tous les combien de temps a marché côté, côté indien, la première banque pour Hannibal Ah. qui est dans les temps. Il va avoir fini sa banque au passage à l'âge. Il va passer avec les 400 de bois. Va pouvoir faire votre banque. Hein. Ouais. Et c'est vrai que le fait que Hostide ait un petit peu zappé son colon pour la merveille, ça va permettre un peu plus de temps de préparation pour Hannibal. C'est ça, ouais. Une caserne en formation avec 3 colons. Mais il a le temps, honnêtement. Pour le moment, il n'y a pas le feu au lac. Hop. Il a fait les 3 up du marché en hein, Steam. Ah oui? Ouais. Eh oui. La nourriture, le bois et puis l'amélioration de toutes les ressources. Il commence à mettre quelques colons alors. Donc ça va partir sur du cipaille normalement. Ça, ouais. Un marché. Les 700 de bois qui viennent d'être pris pour Hannibal. Ouais, une case en plus était Dommage qu'il fasse posée. pas passer ses colons à l'intérieur de son TC. Pour gagner du temps, ouais. Ouais. Ah, oui. Ouais, non, c'était pour la bouffe, ok. Un marché, ok. Peut-être falloir qu'il pose peut-être un peu plus de bâtiments devant Hannibal pour compléter un peu son Ouais, avec turtle. les Ah, voilà, arbres. la banque. Mettre une maison ici, ça peut être Ouais, intéressant aussi. Débellicistes en formation côté Hannibal. Et c'est poi pour Hostile. Donc là, il va envoyer les 5 6 poi Hostile. Je pense, ouais. Ça devrait sortir du fort. Au niveau des améliorations, Shenchas qui est en train d'être fait pour Hannibal. Les Sipais qui sont formés côté indien. Pareil, Les plus 5 les qui 5. devraient pas tarder à sortir. Voilà, les 5 qui viennent de Alors. sortir, il les a juste fait sortir de l'autre côté, mais ça va. Là, il va faire une maison, il va envoyer les sauvoirs. Il y a juste. Voilà, c'est bon, il est en train de se réorganiser. Voilà, s'il va direct chez lui, ouais, ça peut faire très bien. Ouais, ça sert à rien de partir. Il sait que Hollandais, c'est. Ça peut très bien contrer les mousquetaires avec les bellicistes H2. Du coup, il va attendre les sauvoirs avant de push. Le Charlotte Bank a été pris comme troisième carte pour Hannibal. Il a Je vais enfin push. échangé son BO. D'habitude, il faisait venir le chariot avant les 700 de bois. Ah, il a sorti 3 pitiés aussi. Qui donc? Ah oui, exact, je les ai pas vus. On va voir si la prochaine carte ce sera les 8 piques. Ce serait quand même important de les prendre, je pense. Donc il va les push là, ça y est, Hannibal. Par Ouais. contre, les exploits avec les sepoys, ça ralentit un peu. Il aurait On a les dû sauvoirs mettre qui les. arrivent. Il met du temps à réagir Hannibal avec ses colons. Ah bon, après c'est des sauvoirs, hein. Ça fait Il aurait pas dû de mettre gros les dégâts. explorateurs avant les Donc explos. attention. Là, ça va jouer vraiment à la micro avec les bélis et les piques. On a les piques qui viennent sur. Il y en a déjà un de mort. Hein. Déjà un de mort. Les messagers qui viennent d'arriver. Ça va être important. Mais il n'y a pas assez de piques. Hein. Il n'y a que deux piques pour le moment. Et il a pris 600 de bois. Il n'a pas pris les 8 piques. Du coup, il est un petit peu embêté là à cause des. Ouh là là, il y a les explos qu'on stone. Il n'y avait pas assez de pique côté Hannibal. Il a Les préparé messagers qui son sont arme. déjà morts. C'est surprenant qu'il ait pris les 600 de bois, qu'il ait pas pris peut-être les 8 piques. Mais pour le moment ça va, il va avoir assez pour repousser ça. Mais il a perdu pas mal de bélis. Hein. Il a déjà fait mal quand même. Ouais, Hostile a fait mal avec Est-ce ce push. qu'il a perdu des péons? Ouais. Non. Non. Après, il a quand même perdu 4 sowars et 7 sipoys. Hein, c'est. Ouais. On va voir parce que pour le moment pas d'écurie en formation côté Hostide.
C'est vrai que sur le long terme, après, il va falloir qu'il parte sur une écurie, je pense, s'il veut rester H2 avec des sorts. Non, non, là il va passer H3. Il va passer H3? Ouais. Ouais, c'est vrai, il est en train d'économiser pour passer H3. Ah Une là, elle banque est pour bien Hannibal. arrivée. Bon, je sais pas trop pourquoi il laisse ses bélis trop devant. Ouais, parce que après, avec les explos. Bon, là en Voilà. l'occurrence, ça le sert parce qu'il peut taper quelques cipayes. Contre, le fait de laisser juste les explos avec les citoyens ensemble, ça retarde un peu quand même. Ouais. Ah, il les a snare avec l'émissaire, ça c'est pas mal. Il va pouvoir s'occuper des derniers cipayes. C'est vrai que là, Hostile, il a un peu sacrifié ses cipayes. Il aurait peut-être pu envoyer juste les explos pour essayer de voir ce que faisait Hannibal. Plutôt que d'envoyer aussi les cipayes. Là, il est en train de passer là, je crois, Austin. Une écurie pour Hannibal. Qui va sans doute aussi lancer l'H3 dans pas longtemps. Il a mis tous les colons à la nourriture, il les met même sur les yaks. Oh, c'est pas mal aussi. Donc ça va lancer l'âge dans pas longtemps. C'est lancé pour aussi du coup. Il est passé avec le Taj Mahal. Qui va lui donner pas mal d'or. Ouais, Et qui il va lui sent quoi. permettre de faire le cessez-le-feu. L'âge qui est lancé pour Hannibal. Et l'âge très vite, je pense qu'il a été pris. Alors, je vais vérifier peut-être. Ouais, là c'est l'âge très Ouais, vite. ça va très vite. Donc ils vont être Du coup, ils vont être quasiment. H3 à peu près en même temps. On a donc le consulat en formation côté Hostide. Qui a désormais 400 d'exportation. Donc il va pouvoir faire venir soit 3 hussards, Les soit, 4 colons soit 6 raids de sont. côte. La deuxième amélioration de la nourriture aussi qui a été faite côté Hostide. Des gourkas qui sont en train de sortir du Ouais. fort. Ouais, petit gourka déjà. Âge des forteresses pour Hannibal. Pareil pour ce type du coup. Et Hostide, ouais. Avec les 500 or. On va voir sur quel combo ça va partir. 800 heures hein, pour sinon. Ah oui, c'est 800, oui. C'est vrai que 500, c'est pour l'H2. C'est vrai. C'est vrai. Ouais, c'est ça. Des gourkas en formation. Là, Et des enfin, il rutteurs. Côté. Ah, ça y est, une écurie en formation côté faudrait Hostile. penser à faire une maison aussi. Ouh, il y a les bélis qui vont tomber sur le. Non, il a l'air de s'en aller. Ouais, Il a. avec le consulat ottoman, il a une meilleure vision. Ouais, c'est ça. Les voir. Donc ça va partir sur les 3 hussards, hein, je pense. Comme carte. Enfin, comme. Ouh, cessez-le-feu. Cessez-le-feu pour les. Il s'est trompé. Ouais, c'est vrai que je cherchais, je me disais est-ce qu'il y avait des colons, mais non, il s'est trompé. Ah, c'est dommage parce que du coup, avant qu'il puisse de nouveau l'utiliser, ça va faire très mal. Les Urumi, 7 hein. Yurumi, ouais, qui ont été pris. Attention, les Yurumi sur les Bellies, ça va faire très très mal. On va bien niquer les. Attention, Yurumi. Là, les routiers. Il y a des lutteurs qui viennent un petit peu protéger contre les Yurumi. Mais il y a les Gurkhas qui vont s'en occuper aussi. Ouais, puis là, il est retiré. Pas mal de Gurkhas hein, qui, du coup, sont en train de détruire absolument tous les développeurs. Ouais, là, il en a perdu pas mal. Non, il en aurait pas dû repush une dernière fois avec ses routeurs là. Il en a perdu pas mal. Forme du Gurkha. Alors, est-ce qu'il les a. C'est Gurkha. Non. Ah, si, il est en train de faire de l'amélioration là. Ah oui, en termes d'économie, ils sont pareils, hein. 41 pour Ouais, 40. c'est très serré. Du coup, il a pris les 4 colons avec le consulat ottoman. Histoire de compenser un petit peu le retard qu'il avait, entre guillemets, économique. Mais là, c'est bon, ils sont pareils. 5 hussards qui ont été créés par Hannibal. C'est pour très clairement contrer les Gourkas et les Yurumi.
Il y a du Vurka aussi quand Bah, c'est t'es. vrai que la compo de Steed est quand même assez dangereuse, entre guillemets, si Hannibal part sur pas mal de hussards. Parce que les hussards sont Allez. contre des Yurumi et des Gurkhas. Et il fait en plus des Sowars. Donc là, la bonne pioche serait que Hannibal parte sur beaucoup de hussards. Faudrait. Il faudrait qu'il limite un peu avec des Amboras aussi au style. Ouais, Ah parce que c'est vrai qu'il a cette compo. S'il y a beaucoup de caves en face, ça risque de faire mal. bah à la place des Vilgurkha, il aurait mieux valu envoyer les 9 Zamboraks. Ouais, très clairement. Ah, il y a l'armée de Steed qui vient du coup. Non, il fait demi-tour pour le moment. Il va juste. Ouais, non, il fait demi-tour. Ouais, il faudra plus de Sowar quand même. Des Gurkhas encore en formation. Ah, ça y est, des Zamboraks côté hostile en formation. Ah. Oui. Des embarras, ouais. Alors qu'il fasse surtout une maison là parce qu'il est en Ouais, surpop. il est en dash de pop. Là, le mieux à faire, ce serait ouais, faire deux maisons et refaire une écurie pour vraiment jouer sur deux écuries, caserne et fort. Êtes-vous Ouais. prêt? Et Oui. faire du 10-10. Ok, c'est reparti. Et on a, semble-t-il, Hannibal qui est en train de push, donc non pas sur la FB, hein, mais plutôt sur les colons là. Deux colons en moins. Plutôt bien vu. Par contre, les 4 sowars, ah c'est bon, il les ramène avec lui. Il fait une maison, il fait pas de maison. Et il a pris les 4 hussards comme carte Hannibal, donc il part vraiment sur pas mal de Ouais, hussards les là. là, c'est pas mal de les avoir up. Oui. Ça lui en fait désormais 15 hussards, 24 Belly et 10 Rutter. Il fait un château ici. Est-ce qu'il aura le temps de le finir avant que lui ça arrive? Ah. Non. Clairement non. S'il va vite dessus. Ok, il y va. Il y a les routeurs aussi qui vont venir un petit peu chatouiller les colons. Ils ont réussi à s'échapper, ça c'est pas mal. Ouais. Deux maisons pour Hostile. Très serré hein, comme game. De toute façon, on s'attendait à ça avec Steed et Hannibal, qui ont vraiment pratiquement le même niveau. Hein. Steed est premier lieutenant sur Asian, Hannibal est second lieutenant, mais il est vraiment à la limite d'être premier lieutenant. Il oscille un peu entre les deux. 9 Ah, ok. Zamboraks. Voilà. Voilà, il attendait cette carte pour pouvoir lancer le fight. Et il Là, a il va bien falloir raison. aussi pour sortir du sauveur là. Ah, là il va perdre quelques Zamboraks assez bêtement là. Dû ça. Attention, il y a encore un Gurkha qui va. Non, c'est bon, il est en train de le reprendre. La cinquième banque côté Hannibal. Et aussi un avant-poste ici là pour sécuriser la mine d'or. Et aussi le spot de nourriture qui est juste là. Du coup, le château aussi pour Steven. Attention, lui aussi, c'est mort. Si, il a pris une petite salve. Ça y est, ça a l'air de Attention. s'engager. Très peu de sowars, hein. Il y en a que 2 ou 3 là qui viennent de corps à corps. Déjà détruit, il reste les Yurumi qui se font bien hit and run pour le moment, faut dire. Il y a les hussards qui viennent dessus. Il y a beaucoup de hussards, hein. Et je crois que c'est ce qui va faire la différence, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de hussards. Il va falloir plus de Zamboraks. Il ressort de son bras. Là, faut vraiment back et jouer plus fort parce qu'il est énorme. Non, Il y a il les hussards qui partent est sur les Zamboraks. S'il le joue bien, il devrait pas. Ouais, ça va, il y en a plus des masses, il va devoir back Hannibal. Il Il a perdu un petit envoie. colon là, ni vu ni connu, il va perdre encore un hussard un peu bêtement là, à cause d'un point de ralliement. Et les trois hussards aussi ottomans qui vont arriver. Il va peut-être perdre des colons aussi ici. Il y a des hussards et des Ouais. rutteurs qui arrivent dessus. Ouais, il va perdre quelques colons. Perdu un petit belly ici, un second belly aussi. Ça fait pas mal de colons perdus quand même. On va regarder une hit lost. 6 colons côté indien, désormais 7. Et encore un Attends, huitième qu'il est en train de donner. Ah non, c'est bon. c'est 7. juste un groupe là, ça serait mieux de.
faire plusieurs quand même. Ouais, surtout pour les Ambroas qu'ils auraient pu arriver Ouais. beaucoup plus vite. Même pour les hussards, là, je vois trois groupes hein, quand même, avec les hussards et les soies. Après, sur le fight, là, je pense que Attention là, le fight va prendre place et là ça semble mal engagé pour Hannibal. Ouais, c'est quand même Surtout très très fort. qu'il tape pas du tout là, oulala, il va perdre son armée Hannibal. Ouais, il regarde pas du tout. Oulala, ça c'est pas bon du tout. Il y a aussi qui se fait attaquer par les gardiens du trésor. Ça c'est vraiment pas de bol. Ça m'est déjà arrivé aussi avec les Indiens. Il a pu sauver Avec... quelques babies mais il a pris très cher là. Là faudrait peut-être essayer quand même de push, ça change là. Ouais, c'est vrai que Steed là pourrait se permettre de push hein. Il vient de faire très mal à son adversaire. Il forme ses poches, je suis pas sûr que ça soit très utile là. Plutôt rester sur du Sower Zamborak pour cas quand même. Ouais, là j'aurais peut-être rajouter peut-être un peu de Zamborak. Parce qu'il a un très très gros masse. Après, il a pas de Zamborak. Ok, il pense à lui. Ouais, il a pris aussi donc déboisement étranger, donc là pour compenser un petit peu les colons perdus par les différents raids. Et il reste. Ah ouais, il a 50 sur 57. La carte qui augmente l'attaque et les points de vie des bellicistes. Il a envoyé les 900 bois pour le port de style aussi. Ouais. Un mur qui est fait ici pour protéger ce coin de chasse. Et Hostile qui décide de push, il a bien raison. Ouais, c'est le moment de push. Faire. Il a juste pas assez de. Ah, c'est ça le feu. Il a juste pas assez de cavalerie, je trouve, Hostile. Ouais, c'est sûr. Mais après, en étant dans la ville de l'Hollandais, justement, il peut l'utiliser. Il a pas mis de colon dans le TC, j'ai l'impression. Non. C'est dommage. Là, faut vraiment envoyer de la. Ouais, oh là là, les Bélix sont pas mis trop là. Il a pas mis de Bélix encore un peu bêtement. Les endroits qui reviennent, ça semble compliqué pour Hannibal. Pas bien joué pour Austin. Il y a énormément de groupes là, c'est la masse de perte. Oh, 10 hussards qui viennent de sortir de l'autre côté là. Directement sur les Gourkas, ça c'est très très bien. Là faut vraiment avec les Ambroak. Et... Il est en train de transvaser un peu son or en nourriture, j'ai l'impression, pour pouvoir sortir du hussard. Ah, il y a quand même beaucoup de Gourkas, il y a du sepoy encore. Ouais, il reste encore pas mal. Quelques bélis qui sont ressortis. Il reste encore un peu de Ambroak. Il est en train de perdre quelques colons aussi. Hein. Ici là, encore en bas. Ah, ouais. Et il a sorti que. Ah, il a sorti qu'un hussard, ça c'est vraiment dommage. C'est très bien. Il a beaucoup de bois, il faudrait qu'il. Ah non, c'est GG. C'est GG. Première game qui revient donc à Hosted. J'ai eu des mythes. C'était une belle première game en tout cas. Ouais. Ouais, GG. J'ai fait une. Bien joué le premier cessez-le-feu. Ouais, oh, je te jure. À la base, j'ai juste cliqué sur le métropole, j'ai cliqué sur ça, je te jure. Là, j'avais juste envie de. En plus, il faut attendre la race de temps avant de pouvoir le refaire. Ouais. Putain, les Urumi, ça m'a fait super mal. Bon, en vrai, non. J'ai laissé trop suicide les Urumi. Là, franchement, j'aurais fait traiter de paix Urumi, là, ça aurait été pas la même. Ouais, en tout cas, bien joué. Traiter de paix Gourka, tu vois, c'est pas la même. Ouais, c'était une belle première game. Mais on vous laisse Riost pour la deuxième. La merde, j'ai pas fait attention à mon armée, il me l'a niqué. Bah, j'étais pas derrière. Ouais, t'as mis du temps à réagir, je pense que. Ouais. Bon, dans tous les cas, tu la perdais, c'est clair, mais. Mais oui. Non, après, en termes d'écho, tu l'as mis quand même. Ouais, mais même, enfin, c'est super dur contre Indien, mec. Ça, je sais. Ouais, c'est sûr que c'est difficile. Bon, bah, allez, vas-y, va pour la deuxième. Pas envie de traîner. Je host ou tu host? C'est sympa. Vas-y, host. Bien joué aussi. Mais quand même, avoue, le traité de paix, c'est aller dans ta base, me poser, me prendre un café, et après taper les unités, c'est ça qui est trop bien. Vas-y, on compte, je t'ai pas en ami avec ton compte. Partie de Hostile, ok. T'as un peu 50 comptes. Donc Hostile qui a gagné la première game, faut que tu choisisses ta cible et que tu la bloques. Je ne t'apprends rien. Attends, juste je cherche Colorado.
Je prends Hiro. Et Hannibal, tu peux choisir ta civilisation. Aztec. Ok, bah très bien. Bah bonne game à vous deux, les amis. Merci. Si tu peux les mute et les mettre en sourdine, Fenrir. Merci. Merci. Tac. Bon, c'était sûr que Hannibal allait prendre Aztec. Hein. Ouais, mais attends, parce qu'on a travaillé aussi avec le style Iroko Aztec. Donc. Eh bah, vous avez travaillé les bons match-up. Il peut potentiellement mettre 2-0 à Hannibal. C'est vrai que Iroquois il les gère très très bien aussi, hein. Surtout la game qu'il avait fait encore, la game d'avant là, c'était impressionnant. Iroquois ils ont un timing là vers 7 minutes qui est assez impressionnant quand même. Ah oh, ouais, c'est quand même très très fort. Ouais. Tac. Ok, c'est parti, on va regarder si c'est fait. J'ai même pas regardé la première partie si c'était fait, mais... Une mine d'or... Ok, un troupeau, ouais, c'est bien. Non, c'est bon. Plutôt bon. Troupeau à côté pour chacun, un troupeau plus éloigné, ouais, c'est bon. Oui. Ok, c'est parti. Hop, c'est parti. On va peut-être partir sur direct d'entrée 50 de nourriture. Ouais, 50 de nourriture, c'est pas mal. Seulement 20 pièces pour Hannibal, hein. Il a pas eu un très très bon trésor. Ah, il met pause. Il y a encore un autre trésor de pièces ici. On va attendre un petit peu pour le lag. Êtes-vous prêt? Oui. Ouais. Ok, on va voir si le lag s'en va. Ça a l'air d'être fluide pour le moment. Deuxième trésor d'or, c'est pour Hannibal. Ouais. Au total 52 pièces. J'ai même pas vu où est-ce qu'il a envoyé son travaux avec sa maison. Ok. Plutôt pas mal. Peut-être le mettre, il a peut-être fallu le mettre plus vers ici. Ouais, c'est ça, pour visualiser un petit peu plus pour le spot de bouffe et l'or. Ouais. Ouais, c'est vrai. Donc le foyer qui est créé, le prêtre qui est sur la danse de l'expérience. Une maison ici pour Hannibal. Les decks n'ont pas l'air d'avoir été pris pour le moment. Non. C'est pas encore pris. Quoi d'autre comme trésor ici? Ici un jeune loup, c'est pas très intéressant. Il y a le 95 de bois. Ici, aussi. Derrière un amérindien. Oh oui, 95 ouais. De bois, ouais. Il y a aussi le 110 de pièces plus bas. Il va prendre le guerrier amérindien. Et aussi qu'il va prendre le trésor de bois. Ouais, ouais, c'est pas mal ça. Ça, c'est un gros trésor. Hein. En termes de trésors, ouais. Pour le moment, avantage à Hostide qui a récolté des bons trésors. Après, faudrait pas que la steak vienne sur ce trésor-là aussi, s'il a le temps. Ouais. Non, alors, il a pas l'air de venir. Dès que la steak est dès qu'avec 3 TP. C'est parti. Ouais. 95 de bois, ça c'est vrai que pour Iroquois ça fait plaisir. C'est clair. Il va prendre le jeune loup, j'ai l'impression ici. 3 villageois comme première carte pour Aztec. Ouais, sport sur. Ah, il y a aussi qui va venir chatouiller un petit peu, voir s'il peut choper le trésor. Attention. Non, j'ai pas l'impression qu'il soit intéressé, à moins que ce soit. Non. Il peut potentiellement perdre son héros. Hein. Ouais. C'est vrai que. Il va se mettre au corps à corps avec toutes ses unités là. Il va clairement être obligé de back. Guerrier amérindien, ouais. Pour le moment, c'est le guerrier amérindien qui tape donc. Pas trop de dégâts. Et la balle du coup, ça va. Ouais. L'âge qui va pas tarder à être lancé côté Hostide. Il a pris aussi les 3 colons.
Donc là, je t'y ai lancé. Là, je t'ai lancé avec le sage, donc avec les ressources plus un travois. On va voir à quoi passe Hannibal. Qui est un peu plus en retard. Hein. On peut expliquer ce retard parce que Hostile a chassé vraiment juste en dessous de son TC. Hannibal a été un petit peu plus loin. Ouais, du coup, voilà. Le messager pour Hannibal. Donc le messager, c'est quoi? C'est les deux travaux de baraquement. Je sais pas du tout. Il me semble que c'est ça sur les sock patch. Non, c'est l'âge rapide. Ah non, c'est l'âge rapide. Ouais, bien vu. Bien vu, bien vu. On a un colon qui part là pour l'AFB. Le marché entre les arbres là, c'est plutôt bien vu. Ouais, pile la bonne proportion. Ouais, c'est vraiment. Ouais. Il a l'œil. Peut-être une warlock ici. Ouais. M2 sur là. Ouais. Il va sûrement attendre les 700 de bois pour la faire. Quoique, il en a quand même 10 au bois, donc on va voir. Et aussi, qui arrive à l'âge 2, il va avoir les ressources de l'âge, plus son travois. On va voir où est-ce qu'il va mettre son travois. Ouais, en position plutôt défensive. Ouais. 700 de bois qui ont été pris pour Hannibal. Donc il va lancer sa warhut dans pas très longtemps. Elle devrait être posée. Ouais, il aurait déjà pu la poser. C'est bon, c'est parti. Stratégique comme choix aussi. Et on a un petit scout hein, d'Hannibal qui voit un petit peu ce qui se passe. Il regarde. Il est en train d'attaquer le baraquement. Mais il s'en va. Un petit choral pour Hostid. Qui devrait partir sur un mix infanterie cave. Ouais. Kenya Ena. À mon avis, 700 de bois qui ont été pris, 600 de bois pardon pour Iroquois et puis les 3 ATP pour Hannibal. Intéressant ça. Très bien vu. Et c'est bien vu parce que Hannibal a scouté, il a vu que la warret était, enfin le baraquement était ici, position défensive, il s'est dit la map est à moi. C'est une bonne idée de prendre les 3 travois. Ça va lui faire un bon boom économique quand même. Oh oui. Oui. Des pumas en formation pour Hannibal. Des tomahawks et des. Quelques tomahawks. Et puis ensuite des Ena et des Kenya en formation pour Hostid. Ouais, c'est ça. Ouais. Villageois. Très économique. 4 Kenya qui ont été formés. Et il a sorti qu'un seul Ena par contre. Un Ena, ouais. Ouais. La macro sûrement. Les 4 Kenya qui partent pour aller raider. Allez observer un peu ce qui se passe, plutôt même. S'il tombe pile dessus, là, faudra faire gaffe. Oui. Dimas Waltin qui vient de sortir. Les Kenya qui vont siège pour voir un peu ce qu'a Hannibal. Il va envoyer les masses en premier. Et il va laisser les pics derrière. Il y a les messages que j'ai aussi juste derrière, pour faire gaffe. Ouais. Voilà, Hostile, il a siège juste pour voir un peu l'armée de Hannibal. Le forcer à venir pour voir un peu ce qu'il avait. Et il a l'air de push Hannibal pour le moment. Ouais, c'est ça. Mais du côté d'Hostile, on a pour le moment une bonne défense. Hein. On va essayer de choper sûrement les piquiers avec celle-là. Ouais. Il est en train de taper les piquiers là. Ça, c'est très très bien micro. Oula, par contre, il y a des messagers couillettes qui sont pas gérés. Ouais, c'est bon. Il essaye de s'occuper du baraquement qui va sans doute tomber là. Parce que les piquiers ça siège très très fort. Il y a aussi le. Ouh, il y a le guerrier aussi. Qui siège à 30.
il va back maintenant, je pense, s'il peut. Si aussi il le laisse pas partir. Il y a des messagers coyotes qui viennent d'arriver. Il faut forcer là. Il y a les messagers coyotes qui viennent taper un peu les cagnets au corps à corps. On a des masques qui viennent d'arriver encore. Ça... Attention à la cave. Il y a quelques piquets, il y en a plus beaucoup, il y avait surtout les... Ah, ça y est, il y a quelques piquets qui viennent d'arriver et des messagers coyotes. Par contre, là, il devrait, voilà, ça y est, il devrait back avec ses piques aussi. Pas laisser se faire taper. Il va back à son baraquement. En tout cas, c'est une bonne pioche. Côté Hannibal, il a pété le baraquement. C'est ça. Iroquois. Il a perdu pas mal d'unités, mais... Silenceur Puma qui vient d'être pris. Ouais, ça fait pas mal de Puma quand même. 9 Puma pour Hannibal. Il va aller défendre son comptoir. Ouais, on va voir s'il arrive à le sauver ou pas. J'ai pas l'impression là. Et des coyotes aussi qui sont... Ouais, les Kenya et les Tomahawks, ça siège très très bien. Voilà, plus de TP. C'est bien fait aussi de la part d'Hosted. C'était un avenue de Hosted. Il y a quand même pas mal d'unités militaires hein, côté Hannibal. Ouais. Attention les... Ouh là là, les Maswaltins sur la cave. Ouh là là. Fais attention, pitié là. Ouais. Oh, par contre là, il s'est un peu jeté dans les piquets là, c'est vrai. Il a pris quelques salves assez importantes. Par les messages, là, il va rebalancer encore les piques sur les Kenya. Il a perdu beaucoup de Kenya assez bêtement, j'ai envie de dire. C'est pas méchant, mais il les a mis vite sur les piques. Et là, faut pas qu'il perde trop ses piques là. Faut pas trop qu'il les... Si, ça va encore. Il a laissé les coyotes sur les archers. On sait faire, ouais. Il y a partout ces coyotes. Quand même, ouais, c'est quand même bien joué. Un bon trade hein, de la part d'Hannibal. Hein. Qui m'a fait peur au début parce qu'il a mis vraiment les masses sur les sur les Kenya, mais il s'en est bien sorti ensuite. Voilà. Et il est en train de resiège une nouvelle fois le baraquement. Par contre, il est mal positionné, je trouve, là. Les pics la dernière fois étaient vraiment le plus loin possible. Parce que là ils peuvent se faire taper. Mais voilà, les Kenya qui viennent encore de se prendre les Pumas. Il reste plus que deux Kenya. Oh, les messagers coyotes. Oh là, j'avais pas vu les messagers coyotes sur les archers. Oh là 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 là, ça c'est très très bien joué de la part d'Hannibal. Faut juste qu'il fasse gaffe parce qu'il y a des Tomahawks qui viennent de ressortir. Il va devoir back. C'est bien défendu encore de la part de Steed. Hein. Ouais. Les Tomahawks qui sont sortis, les 6 Tomahawks qui sont sortis ont fait vraiment du bien. Il a quand même perdu pas mal de caves là, c'était Thomas. Ouais, il a perdu beaucoup de caves, ça c'est clair. Il a perdu un colon, bon ça c'est pas très ouais. Grave. Il reste comme carte militaire juste les 6 messages à coyotes. Hein. Il recroyait pas trop mal encore. Hein. Ouais. Il a pas pris encore les Siena. Ouais, là faudrait qu'il sorte de haine. Hein. En termes de nourriture, Austin n'a plus de nourriture chez lui. Hein. Et là, il est en train de faire ses derniers. Ouais, bah il est obligé d'aller chercher. Il va falloir aller chercher celui-ci, ouais, c'est ça. Il est dessus. Ouais, peut-être fallu aussi rabattre celui-ci pendant la transit, c'était quand même pas mal. Ça aurait pu être cool. Il est en train de refaire son TP, Hannibal. Mmh. Et il a pris les 5 colons. Ouais, pour booster les colons, c'est bien. Siena qui vient d'être pris pour l'Iroquois. Donc la prochaine carte côté Iroquois, ça risque très fortement d'être l'attaque des unités ou bien tactique conservatrice. On va voir. Si tu y a trainer. Il reforme du Tomahawk. Ouais. Là, il part vraiment sur un petit Tomahawk Arena. Ouais. Et sa cave là, faut vraiment la garder. Hein. Faut pas la suicider. Ouais, c'est vrai qu'il en a perdu beaucoup tout à l'heure. Hein. Ah, attention, parce que là, il y a les Maswaltins qui sont sans défense. Ouh là 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 là. Qu'est-ce qu'il a fait, Hannibal? Ah, il va perdre ses masses. Oh là 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 là. Ah, c'est dommage. Les pitiés là. Oh là 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 là. Je sais pas pourquoi il a laissé
Allez, Thomas. C'est masse sans défense, il y a les coyotes qui vont venir sur les. Ah, les Zenith. Les cavaliers très, Kenya. Très très mal. Les Zenith et Thomas Wolf sur les coyotes. Hein. Les massés qui ont bientôt se retrouver sans défense. Ouais. Allez, le dernier coup. Le dernier coup. Ouais, il va perdre son explorateur animal. Un petit peu dommage. C'est quand même sans XP du coup. Hein, ouais, sans expérience, ouais. Là, il pourrait clairement pusher. Ouais, ouais, Hostile va push, je pense. Il reforme du Tomahawk, donc ouais, très bien. Ça lag un peu. Ouais, ça lag un petit peu, c'est vrai. Attention encore les masses sur les. Il y a plus de pic, hein, du coup, maintenant. Il y a plus de pic, il va. Il va partir peut-être sur du coyote. Ouais, il va partir sur du coyote, masse. Il y a les Tomahawks qui sont en train de siège le TP. Pas mal de Tomahawks, hein, désormais. Ah ouais, c'est. Il refait des Ana, ouais, il fait du 5-5, hein. 5 Loma, 5 Ana. Puis ça clave Tigger, mais c'est. Il va pouvoir tirer un petit peu tranquillement sur les Tomahawks. Il va devoir back. Oh, il reste 57 de PV, il aurait pu terminer. Là, il peut. Ah, il va terminer. Là, il pourrait quand même. Quand même prendre le fight. Hein. Ouais, là, il n'y a plus beaucoup d'unités militaires côté Aztec. Enfin, maintenant, ça y est, c'est revenu à l'équilibre. Encore pas mal de coyotes aussi, là. Et 600 d'or. Il va chasser loin, Hannibal, hein. Il va chasser jusque là-bas. 600 bois qui ont été pris et 600 d'or pour Hostile. Et l'armée d'Hostile qui se dirige vers le sud. Sûrement pour sécuriser le troupeau. Ouais, ça va être ça. Il va avoir besoin de ce troupeau ici. Ah, il fait une autre warhut. Hein. Ouais, un baraquement là-haut pour protéger son spot. C'est un peu surprenant parce que son spot va être terminé. Je l'aurais plutôt vu ici, mais on va voir. Ouais. Ou même là-haut. Hein, ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Deuxième baraquement aussi pour Hannibal. Je pense qu'il y a quand même une fenêtre hein, Hostile à un moment. Ouais, et je pense qu'il va raider là du coup. Il va aller raider. Et s'il tombe ici, il va rencontrer les coyotes. Ouais, à la fin. Ouais. Ah, s'il y va. Il y va, il y va. Il va peut-être tenter de passer là. Ah, les coyotes qu'on back. Du coup, il va rencontrer juste les colons. Aïe aïe aïe. Il va y avoir des colons de tuer avant que les coyotes arrivent, même s'ils sont très rapides. Il voit rien pour le moment, Hannibal. Il voit rien du tout. Ça y est, il envoie les coyotes. Et on aura perdu 3 colons hein, avant que les messagers arrivent. Donc. Est-ce que les coyotes vont rattraper les mêmes? Non, pas l'impression. Oh, quoique, avec le virage, non. Ah non, il va qui back. Quand même pas mal de coyotes, hein. Ouais. Oh. Et Hostile qui a l'air de se diriger vers l'H3, je sais pas ce que t'en penses, il fait plus d'unité militaire. Ouais. Je pense aussi, ouais. Faut faire très gaffe à ça, hein, parce que. H3 très puissant, hein, côté Iroquois. Et si Hannibal décide de push, il peut faire très mal quand même. Beaucoup de messagers coyotes, hein. Ouf, beaucoup de messagers coyotes. Il les a améliorés également, enfin il a pris la carte qui les améliore. Et voilà, du coup, baraquement ici pour protéger le spot de bouffe. Un foyer hein, aussi. Hannibal. Ouais. Attention, il va. Ah, il y a une... Ouais, ça va push. Il y a les coyotes qui vont taper les colons. Est-ce qu'il aura le temps d'en tuer quelques-uns? Là, non, il va balancer directement sur l'armée. Allez, la cape. Il y a beaucoup de Tomahawks, hein. Il y a quand même beaucoup de Tomahawks. Ouais. La cape qui va arriver derrière. Mais beaucoup de coyotes qui sont arrivés par derrière aussi. Par contre, il va plus avoir de protection contre la cave Hannibal. Il y a quand même beaucoup d'unités. Et Tomahawk ressorti pour Hostile. Ouais. Dommage, il y a des masses Waltins qui attendent à la base d'Hannibal. Ah, il y a les coyotes encore qui arrivent.
très très gros push hein, là d'Hannibal. Faudrait juste qu'il bouge un peu ses masses là, ils sont restés au corps à corps. Dommage qu'il ne les a pas bougés parce qu'il y a des coyotes encore qui demandent à taper là. Il a quand même perdu beaucoup de troupes. Hein. De deux côtés, ça s'est fait très très mal. Ouais. Mais en tout cas, ça revient encore côté Aztec. Il a plus de coyotes. Il a plus de coyotes. Il va devoir back. Et il devrait se servir de ses unités qui sont devant pour back à son baraquement plus vite. Parce que là, il va se les taper encore la cave. Non, ça va. Il rentre. Très serré, hein, ce game. Ouais, c'est extrêmement serré. Extrêmement serré. Beaucoup d'unités militaires hein, qui reviennent. Trois prêtres qui ont été pris côté Hannibal et qui va repush avec pas mal de coyotes et de masse. Ouais, là vraiment c'est très très gros écho. Hein. Hostile n'a pas d'unité en formation là, c'est assez surprenant. Pourtant il a beaucoup de ressources en stock. Ça risque de lui coûter cher. Dommage qu'il parte pas là sur les colons. Hannibal il a peut-être pas vu. En tout cas, il veut s'occuper de l'armée de Steed qui n'a plus grand chose là hein. C'est surtout un manque de macro parce qu'il a beaucoup d'or là, 1200 d'or. Il pourrait sortir beaucoup d'unités mais là il est en train de perdre pas mal de... Bah il a perdu son armée, il est en train de perdre quelques colons. Très bon push hein, d'Hannibal. Je pense que Steed a vraiment hésité à passer à l'H3 et il a profité de ce moment, Hannibal. Il y a des Tomahawks qui viennent de ressortir. Le baraquement qui va sans doute tomber. Ouais. Hostile qui a pris la carte d'amélioration donc des Ena et des Tomahawks, sauf qu'il en a plus du tout donc. Et il ressort des Pumas, hein, Hannibal. Hein. Ouais, et voilà, plus de baraquement. Ça semble un petit peu compliqué pour Hostile qui est en train de transvaser son or là en bois. Je sais pas trop ce qu'on fait Hannibal, il va pas siège le TC avec cette armée. Il a sorti de la cave là. Ouais, il a sorti un petit peu de cave. Il va s'occuper des petits colons qui restent là. On va regarder en termes d'unit lost. 7 colons hein, pour Hannibal de perdu. Et le problème c'est que là il se dirige vers le... vers l'économie ici. Alors il y a son baraquement qui va pouvoir le protéger mais il va falloir qu'il sorte vite des unités parce que toute son écho est à l'intérieur. Ouais, surtout que là, il y a quand même... Attention, il y a les Kenya qui arrivent sur les masses. Ah mais il y a les piquets derrière. Ouais, c'est GG, il y a les coyotes qui arrivent encore sur les Kenya. Très très bien. Très très belle game des deux côtés, hein. Franchement c'était extrêmement serré. Il est en train de perdre ses masses un peu bêtement là par contre. Hannibal, voilà, c'est bon, il a remis les coyotes au corps à corps. Les colons qui s'enfuient, hein. Les colons qui s'enfuient, là. Je sais pas s'il a vu Hannibal. Ils s'enfuient, ouais, mais il y a quand même pas mal de messagers qui peuvent les intercepter. Il y a les... oulala, les pumas qui vont dégommer les gagnants, là. Aussi qui a dit GG mais qui n'a pas abandonné. Il va faire son relou. Il refait une baraque derrière. Ouais mais c'est bon, c'est GG. Je l'ai dénoté. Belle game qui a duré quand même 21 minutes. GG les gars, très GG. C'était très sérieux. J'ai essayé de H3 en fait. Hein. T'as hésité. Quand j'ai vu qu'il reprenait en fait, je me suis dit putain mais espèce de taré. Non mais t'avais trop d'or à un moment. Quand tu l'as repoussé, t'as attaqué le comptoir. Mais t'aurais dû plutôt aller attaquer sur sa baraque parce qu'il pouvait pas se défendre. Enfin, avec la compo que t'avais, tu le tapais son armée. Et du coup, ouais. Là, il a pu reprod derrière en t'as tapé le comptoir. C'était très serré en tout cas, bien joué. Il y avait côté. Une espèce de mini lag, c'était super. Joué, ouais, c'est vrai, ouais. C'est vrai, on l'a vu aussi, il y a des petits lags. Mais en fait, tes unités, c'était bizarre, hein. c'était saccadé, c'était une horreur, hein. Franchement. Par contre, moi, je vais pas pouvoir faire la troisième game, Géo. Ok, là. Ça marche. Non, ça mais marche. Très, franchement, c'était les deux games, là, elles sont très très belles. Ouais, c'était très serré, c'était du haut level. Hein. On va y rester pour la dernière, les amis. Je vous dis bonne chance, les gars, pour votre troisième game, et puis on se revoit peut-être ce soir, si vous êtes là. À toute fin de rire. Yes.
plus. C'est bon. Ouais. On aura droit à une dernière game et franchement, je la prends parce que c'était tellement serré cette deuxième aussi. Bien joué les amis. Moment, je les perdre. Ouais, mais à un moment, je pense que j'aurais pu. Bah, en fait, il y a eu des opportunités des deux côtés pour gagner. À un moment, c'est ce qu'a dit Fenrir. À un moment, Hostid, je pense que si t'avais essayé de voir le. Comment dire sur la baraque, je pense que t'aurais pu faire mal. Il y a un moment où Hannibal a eu un moment où il avait plus beaucoup de troupes. Et après, il a reprod. Et là, quand il a reprod. En plus, c'est mal tombé pour toi parce que t'hésitais de passer à H3, t'avais beaucoup d'or. Et oui, en fait, t'attendais d'avoir la bouffe, sauf que j'ai tout utilisé comme troupeau. Ouais, il est tombé un peu, c'est tombé un peu au mauvais moment. Alors, du coup, tu peux enlever le dernier slot. Ouais, parce qu'elle a fait mériter. On part sur Jebel Musa, et puis là, il n'y a pas d'histoire de. Enfin, vous vous mettez d'accord pour les civilisations. Moi, je prends Dutch. Ok. Je prends Dutch. Je suis frustré là de l'autre partie de perdre mon armée comme ça. Avec les Hollandais ? On va aller pisser. Bah franchement, ça me fout le seum indien, c'est un truc de malade. Mais bon. Je reviens, je vais aux toilettes. Ok, ça marche. Bon, bon, bon. Qu'est-ce que je vais choisir ? En vrai, du coup, je me tâte à reprendre indien. Mais... Peut-être être paix cette fois-ci, je l'ai réussi. On va voir si Hannibal reste sur ce match-up. On va voir s'il crie avant la game et ou après la game. Ah mais la game de tout à l'heure, j'ai toujours le seum de l'avoir perdu. Ah c'était sérieux, hein. C'était vraiment sérieux. Heureux. Est-ce que tu acceptes ce match-up, Hannibal, yes. Ou est-ce que tu veux changer? J'accepte. Tu acceptes? Non, j'accepte. Ok, ça marche. Bah, bonne game à vous deux, les amis, et puis je vous mute et je vous mets en sourdine. À oui. Toutes. Bonne game. Mmh. Bon, bah, les amis, on va, j'espère que ça va être une game aussi serrée que les deux premières, mais il y a moyen. C'est vraiment deux très bons joueurs. Super copain en plus. Du coup, on était un peu triste de voir ce match dans le tableau, mais bon, ce qui est bien, c'est que le perdant ne sera pas, comment dire, ça s'arrête pas tout de suite. Il y aura quand même la petite finale. Donc, il y aura une consolation pour le perdant de finir pour se battre pour être troisième. Est-ce que le lancement a bugué? Il doit crash, non? J'ai l'impression, ouais. Je vérifie. Ouais, et soit crash. Et soit crash. Du coup, je vais remettre Hannibal. Hop. Ouais, il y a Esso qui a crash. Ouais, putain, c'est toujours pareil. Truc de merde. Toujours au pire moment. Ouais, je bois un verre d'eau. Je vais revenir maintenant, j'arrive. Alors les amis, on se retrouve pour la dernière game entre Hostid et Hannibal. La game décisive. C'est parti, donc je pense que ça va être aussi serré que les deux autres, donc ça va être très intéressant. On revient sur le même premier, sur le premier match-up qui a été favorable à Hostid avec un Indien. On va voir s'il y a des changements de stratégie de part et d'autre. On va voir, ouais. On va voir si Hostid repart encore une fois sur un rush. Pour embêter et puis ensuite H3. Ou bien est-ce qu'il part directement sur un FF, semi-FF, quelque chose comme ça. On va voir. Côté d'Hannibal, ça risque d'être à peu près le même, la même game. C'est-à-dire qu'il va défendre dans un premier temps ce turtle pour essayer ensuite de push un petit peu plus tard dans la game. Mais on a vu que l'H3 indien faisait quand même très mal à Hannibal. Donc on va voir si... moi je partirais peut-être sur un
un pari FF ou semi-FF d'Hosted qui pourrait se servir un peu des cartes H3 qui font très très mal côté indien. On a les Yorumi, on a les Mahout. Voir ce que ça dit. 42 bois qui ont été pris pour par Hannibal. Et un petit trésor de 45 de nourriture qui va être pris pour Hosted. Peut-être regarder les decks s'ils ont déjà été pris. C'est les mêmes, hein, c'est les mêmes que ceux d'avant. Hosted qui a pas pris son deck encore. Il y a les deux qui veulent aller chercher les 22 pièces. Et c'est Hannibal qui va l'avoir en premier. Mais Hannibal qui va peut-être se faire attaquer son... Ouais, il va se faire attaquer son explos par les deux éléphants. Non, ça va, ils s'en vont. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme trésor? 65 de pièces ici. On a aussi 70 de nourriture là. On voit un petit peu ce qu'ont exploré les deux joueurs. C'est vrai que ça se saccade un petit peu, ouais. C'est pas extrêmement fluide, c'est comme la première. Enfin, comme la seconde, c'est pas extrêmement fluide. Ça saccade un petit peu. Du coin. Riche en minerai. Je vois pas c'est quoi le trésor de ça. Ah, ok, ça révèle en fait l'emplacement des mines d'or sur la map. Voilà. Bon, c'est pas un gros trésor, puisque vous pouvez quand même assez vite explorer la map. Même le distributivisme qui a été pris côté indien, 3 colons pour côté hollandais, 70 de nourriture qui vont être pris ici. C'est vrai que ça saccade, hein. Ouais, ça lag de ouf. Êtes-vous prêt? Oui. On va attendre un petit peu, parce que c'est vrai que ça lag assez fortement là. Tout à l'heure c'était assez léger. Oui. Carada, si tu regardes cette vidéo. Petit clin d'œil. Êtes-vous prêt? On va voir si ça remarche. Oui, oui. Si ça saccade encore ou pas. C'est pas méga fluide encore, hein, mais c'est un peu plus fluide quand même. J'ai l'impression qu'on a gagné un petit peu en fluidité, mais ça saccade un tout petit peu. Et c'est vrai que pour les joueurs, ça doit être un petit peu embêtant. L'âge qui a été lancé du côté d'Hannibal. Ça a l'air d'être un petit peu mieux. Des fois, de mettre pause quelques secondes, ça fait du bien pour le jeu. Pour la fluidité. Un colon qui a déjà été envoyé côté d'Hosted. Vous voyez que par rapport à la première game, il va pas faire la même erreur. Il avait perdu pas mal de temps. 800 de nourriture, hop, ça y est, c'est posé. Et il va gagner pas mal de temps par rapport à tout à l'heure. Ici, on a quoi? On a 100 de nourriture pour Hannibal. On va voir s'il prend ce trésor. Il est en train de rabattre les deux troupeaux qu'il a autour de lui. Ça, c'est très très bien joué. C'est vrai qu'en termes de nourriture, côté hollandais, il y a ce qu'il faut, hein. Pour le moment, un troupeau ici, un autre ici. Il reste la fin du premier là. Et ensuite, on a les baies. Donc pour Turtle, ça va être plutôt bien, sachant qu'on qu'il n'y a pas bien ces deux troupeaux. C'est bien vu. Un marché, côté indien. J'ai l'impression que le lag est un peu parti, hein. De temps en temps, ça frise un tout petit peu, mais c'est très léger. Comparé à tout à l'heure, sans de nourriture. Qui vient d'être pris pour Hannibal, qui va passer l'âge. Qui va arriver là, donc la banque va être construite juste après l'arrivée à l'âge, donc un poil de retard. Normalement on finit la banque avant l'arrivée à l'âge, comme tout à l'heure il avait fait.
un poil de retard, mais c'est pas très méchant. Hostile qui met un seul colon à la merveille, donc ça veut dire qu'il va peut-être pas partir sur quelque chose de hyper agressif. C'est vrai que quand on part très agressif, des fois on met deux colons, histoire de passer un tout petit peu plus vite. Une caserne qui est créée par Hannibal. Il vient siéger un petit peu cette caserne hostile avec ses deux explorateurs. Juste pour embêter un petit peu 700 de bois qui ont été pris pour Hannibal. Et Hostit qui va seulement arriver là. Voilà, il va, je pense, rabattre ce troupeau dans sa direction. Je pense que ce sera important de le faire. Débellisiste en formation côté d'Hannibal. Ouais, il va rabattre ce troupeau. Au niveau des améliorations, la nourriture, la première, le bois et puis toutes les ressources qui a déjà été fait. Pas d'amélioration côté Hannibal puisqu'il est en train seulement de faire son marché. Les deux cipayes qui viennent d'arriver. Des cipayes en formation côté d'Hostide. Peut-être repartir sur la, entre guillemets, la même strat avec des cipayes et les 4 sowars. De toute façon, il a repris le même deck. Il back bien ses troupeaux, Hannibal, tous ses troupeaux sont dans sa ville. Il est pas en, il va pas être en pénurie de nourriture avant pas mal de temps, sachant en plus qu'il y a les buissons à baie. Sur cette map, c'est vrai que c'est intéressant quand même. Il a mis un colon déjà dessus. Un peu surprenant parce qu'il a encore pas mal de nourriture à l'intérieur. Les cipayes qui arrivent. Et les 4 sowars qui devraient arriver dans pas très longtemps. Les colons qui rentrent à l'intérieur étant donné qu'il y a les... Il y a des cipayes qui arrivent, c'est vrai que ça peut foutre un petit peu de temps en temps, j'ai l'impression. Ouh, un colon hollandais perdu. Il risque peut-être d'en perdre d'autres s'il fait le tour. Non, ça va. 5 Billy qui viennent de sortir. Un peu dommage ce colon perdu, mais c'est pas la fin du monde pour hollandais. Il revient avec ses cipayes et il y a les Billy qui ont mis une petite salve. Des piquets en formation pour Hannibal, 3 déjà. Il va peut-être pouvoir en sortir 5 comparé à tout à l'heure où il en avait sorti que 3 et ça va être un petit peu juste. S'il arrive à sortir 5, ça peut être bien. Vous voyez qu'il focus bien les cipayes avec ses... attention au colon, encore une fois, il pourrait peut-être en perdre un. Non. Il focus bien les cipayes, ça a rien de taper les héros. Non, 3 piquets qui sont sortis hein, côté d'Hannibal. Seulement 3. C'était un petit peu léger tout à l'heure. On va voir si ce sera la même chose. Attention, là les Bélicis qui vont très très loin devant. Et il y a les Sowars qui arrivent. Et les piquets sont un petit peu loin. Ça devrait aller, il va vite rentrer. Il y a les piques qui vont arriver. Et il s'en va. C'est bien fait de la part de Steed. Bien micro de la part des deux joueurs. Hein. Et aussi, il va back un petit peu, il va s'occuper de l'explorateur hollandais. Il y a un cipaye qui vient de tomber là. Encore des bellicistes en formation côté Hannibal. Et les bellicistes qui sortent encore un petit peu pour faire des free kills. Il y a les 3 piquets qui sont pas très loin. Encore des cipayes qui vont tomber. C'est très bien micro hein, pour le moment de la part d'Hannibal. Attention par contre, là il y a les sowars qui vont arriver. Il y a quelques piques qui viennent de sortir, mais il n'y en a pas des masses hein, de piques. Les messagers qui viennent d'arriver. Ça c'est très très bien sorti au bon moment. On a le pic qui continue de taper. Il vient d'avoir un héros. Les messagers continuent d'avancer. Ce qui va pouvoir tirer encore un peu. Ouais, un tout petit peu sur les cipayes. Attention, il y a les sowars qui arrivent. Il y a une force de back. Ça tire très très fort là. Gros avantage d'Hannibal là. Le push de Steed a pas très très bien fonctionné. Il a lancé l'H3 du coup. C'était une pression pour embêter Hannibal, le forcer à pomper des unités. Et l'H3 qui est lancé côté indien. On va voir si c'est encore une fois avec le Taj Mahal. C'est avec le Taj Mahal encore une fois. Pas vraiment de changement de stratégie, hein. On est reparti sur les mêmes bases.
une écurie pour Hannibal, une banque, et il va se diriger vers l'H3 également. Sachant que lui va pouvoir prendre le fast stage up, donc il va passer assez vite, même si vous voyez que l'Indien a mis 5 colons dessus. Hein. 5 colons à la merveille. Donc ça va passer assez vite, et ça part sur du Gourka désormais. De pièces qui viennent d'arriver côté du côté d'Hannibal. Il a pris le prince exilé. Pas beaucoup de changements hein, par rapport à la première game. Le seul changement quand même notable, vraiment important, c'est que Hannibal a beaucoup mieux géré le rush d'Hostide. Il était prêt un peu plus tôt. Avec, il a bien géré ses bellies. Il a tué pas mal de sipailles gratuitement. C'est plutôt bien fait. Aussi qui a perdu pas mal d'unités. Voilà, les deux qui sont arrivés en même temps, vu que Hannibal est parti avec l'âge rapide. Une petite maison côté hollandais. Une caserne côté indien pour pouvoir améliorer les gourkas. Il a pris les... Ah oui, il a eu l'or, pardon, de l'age up, 800 d'or. Et Indien qui va pouvoir prendre des cartes H3 désormais, on va voir. C'est bizarre qu'il a pris les 700, qu'il ait pris les 700 d'or, Hannibal, plutôt que de prendre une carte H3. Sachant qu'il arrivait assez vite, H3. C'est un peu risqué, je trouve, de partir avec ses bellicistes, il a que 5 cutters. C'est vrai que côté d'Hannibal, il n'y a pas beaucoup de caves. Il a plutôt raison, il va s'occuper de deux colons indiens au moins. Rien qu'avec la portée des bellicistes, c'est gratuit. Hostile qui va attendre, il va sûrement attirer Hannibal jusqu'à son fort pour pouvoir sortir, à mon avis, les Urumi. Ça m'étonnerait pas qu'il y ait les 7 Urumi qui sortent là du fort si Hannibal s'approche trop près. Voilà, pour le moment, Hannibal joue bien, il reste pas trop. Il s'approche pas trop du fort, ça sert à rien. Il a pas du tout de quoi siège ça. Et surtout, s'il y a des cartes voilà, comme les 7 Urumi voilà, qui sortent, ça peut faire très très mal. Des routeurs qui partent trader. Et il a même mis son émissaire un petit peu avant pour pouvoir voir ce qu'il va. Il va pouvoir taper un colon en moins côté indien. Et ça, c'est un avantage qui est très très, c'est très, très bien joué de la part d'Hannibal. C'est que les routeurs sont très rapides et vont pouvoir taper pas mal de colons. Sans que Hostide puisse le pourchasser très rapidement. Il va devoir lui courir après. Oula, attention, attention, s'il arrive au corps à corps. Attention, il va perdre quelques routeurs. Oh oui, oh, il y a les Urumi en plus qui sont dessus. Il aurait peut-être dû contourner un petit peu plus là. Il s'est fait un petit peu choper assez facilement. Il va perdre son émissaire aussi. Mais c'est un bon raid de la part de Hannibal, même s'il a perdu pas mal de routeurs à la fin quand même. 5 colons perdus côté indien. Ça fait plaisir, vous voyez qu'en termes d'économie, on voit que l'Hollandais est vraiment devant durant cette game. Il est en train de faire un arsenal. Il est en train d'entraîner quelques hussards et consulats concernant Hostide. Qui, je pense, va peut-être prendre une carte économique ensuite, déboisement étranger, quelque chose comme ça, pour se refaire un petit peu la cerise, parce que là, il a perdu quelques colons, et il est derrière en termes économiques. On voit qu'Hannibal est à 167 points. Combat de la cavalerie qui a été pris. Il est en train d'améliorer ses hussards. Et ouais, il part sur, encore une fois, pas mal de hussards pour pouvoir contrer les Urumi et les bellicistes d'Hostide. Les 9 Zambouraks ont été pris finalement par Hostide. C'est serré encore comme gamin, c'est encore très serré. L'arsenal qui est fabriqué, on va voir ce qu'il fait là-dedans. Il fait le combat de la cavalerie encore, enfin cuirasse de la cavalerie. Donc, point de vie de la cavalerie augmenté. Il va avoir une cavalerie très puissante, notre ami hollandais. Et ça c'est intéressant, ça coûte rien hein. De faire un mur juste ici là, ça ne coûte absolument rien. Et ça lui permet
de se protéger d'un raid sur ce troupeau-là. C'est bien vu. C'est bien vu. C'est vrai qu'Hollandais, sur cette map, y a quand même quelques avantages, surtout avec les baies. Hein. En termes de nourriture, il est plutôt bien là. Et une fois qu'il aura fini ce mur-là, il va partir sur ce troupeau. Aussi, qui n'a pas de problème de nourriture. Par contre, c'est bizarre qu'ils mettent quelques... Ils mettent un... Il n'y en a qu'un. Ok, il n'y en a qu'un. Mais c'est vrai qu'il pourrait plutôt partir là-dessus. Là, il prend l'Empire, donc ottoman. Il va sûrement prendre les 4 colons. Pour rebooster un petit peu son économie. Mais le mass côté hollandais est vraiment, vraiment puissant pour le moment. On va voir où est-ce qu'il va partir. Pas mal de cavalerie avec pas mal de boost hein, concernant la cavalerie. Et il a l'air de repartir directement sur la ville de l'Indien. C'est ce qui est vraiment conseillé généralement parce que quand on essaye de push l'Indien au niveau de sa FB, c'est difficile parce que vous avez le fort qui tape, il peut sortir à la fois des unités de son fort plus des cartes de la métropole, donc des unités de la métropole, donc assez impressionnant. Ça freeze un petit peu, hein, ça lag un petit peu je trouve. Mais je vais pas mettre pause parce que ça laisserait aussi le temps de réagir. Il n'est pas assez rapide, il devrait laisser ses Sowar partir directement, ses Yurumi partir directement parce que là il va très lentement avec ses unités. Les Yurumi qui arrivent là et la cave qui arrive. Cessez le feu pour Hostile, il va falloir vite qu'il bouge ses Rutter et ses Belly parce que les Yurumi vont faire très très mal au corps à corps. Mais il faudrait qu'il mette sa cave au corps à corps sur les Yurumi. Faut pas qu'il l'enlève sa cave, c'est sa cave qui devrait péter les Yurumi. Il va falloir qu'il l'engage sa cavalerie. Voilà, c'est bien, il l'engage. Il back un petit peu les Rutter parce que les Rutter se font vite taper par les Gurkhas. 5 hussards qui viennent de... 4 hussards, pardon, qui viennent de revenir. Les hussards, il faut vraiment qu'il en fasse beaucoup. Ça va être le compte, là, pour les Gurkhas. Il y a quelques hussards qui vont arriver au corps à corps. Il en reste encore, hein, des hussards. Il en reste beaucoup, même. Ça semble être le GG, à mon avis, parce que il va perdre tous ses Gurkhas hostiles. Et il n'y a que des Sipai qui sont en formation. Il fait venir les irréguliers pour qui peuvent taper plutôt à distance, 21 d'attaque à distance. Mais il va perdre l'entièreté de ses Gurkhas. Et il y a les Bailey en plus qui suivent derrière. C'est très très bien joué de la part d'Hannibal. C'est exactement ce qui lui manquait lors de la première game. Plus de cavalerie. Et là il va pouvoir même raider des colons en même temps. C'est GG pour moi. Ça fait vraiment une grosse perte et que 2 Sipai qui viennent de sortir hein, pour l'Indien. Ça a été beaucoup mieux géré de la part d'Hannibal cette game. Ouais, les 2 Sipai qui du coup ne serviront à rien. Il y a les Belly qui s'en sont occupés. Ah, le combo Hussard-Belly 6, ça fait très très mal et surtout vous voyez, hein, il les a vraiment bien upgradés. C'était une belle nécro quand même de la part d'Hostide à la fin de vraiment back un maximum ses Gurkhas, mais c'est GG. C'est GG, félicitations à Hannibal qui remporte du coup, j'avais même pas mis le score, 2-1 et qui passera en finale les amis, qui passera en finale. On va voir un petit peu avec eux. GG à vous les amis, c'était une belle game. C'était chaud. En fait Hannibal t'as fait pile ce qui te manquait à la première, enfin... Au début, quand, ouais, la première, quand t'as sorti pas mal de hussards, je me suis dit ça y est, il est parti sur le bon combo. Parce que c'est vrai que Gurkha, Yurumi, si tu fais beaucoup de hussards, tu détruis ça assez facilement, entre guillemets. Ouais, il manquait de l'anti-cave côté aussi, du coup, il manquait pas mal de Zambourak ou. Ouais. Bah, t'as vu tout ce que j'ai investi dedans. Ouais, t'as upé à mort tes hussards, j'ai vu avec l'arsenal, avec la carte de la combat de la cavalerie. Ouais, mais ils t'ont fait du bien. Pas deux fois. Ils t'ont fait du bien, les hussards. Clairement fait du bien. C'est eux qu'on fait gagner. Ouais. Que du coup, et comme il est parti sur la même compo que la première partie, ouais. J'ai vu qu'il me ressortait Yorimi, donc. Ouais. Mais c'était bien joué aussi de la part ouais, de ta part Hannibal parce que genre quand t'avais tes Bailey là, t'es pas parti sur le fort parce que c'était le moment où Sid pouvait faire venir ses Yurumi et je pense que tu l'as senti ouais, aussi de pas trop t'approcher parce que si les Yurumi arrivent au corps à corps là, tu prends le tarif. T'es resté à distance, c'était bien vu. L'expérience, c'est que j'ai tellement été défoncé par les Yurumi, c'est que bah t'es méchant.
En fait, ça fait le même truc que quand Ostid il joue au Hiro et moi Hollandais, bah il n'ose pas trop s'approcher du TC. C'est pareil là. C'est ça. C'est ça. Bon, en tout cas, félicitations Ostid et puis Hannibal, c'était les trois grosses games que vous nous avez sorties. Du coup, Hannibal, tu passes en finale du tableau des expérimentés. Donc, dans tous les cas, tu passeras dans le tableau des top players, peu importe si tu gagnes ou si tu perds. Et puis, Ostid, l'aventure, ça s'arrête pas pour toi. Tu pars avec la petite finale pour aller chercher la troisième place du tournoi. Hein. Enfin, la troisième place du tableau des expérimentés. Il y a un truc qui m'énerve sur cette map, c'est qu'il n'y a pas d'animaux, du coup mon XP elle monte tellement lentement. Ouais, ça monte lentement. Puis c'est vrai que c'est une map, j'ai remarqué, c'est un avantage, on va dire un petit peu Hannibal, parce que Hollandais, il y avait les baies qui étaient dans sa ville. Du coup, en termes de bouffe, il était pas du tout no food, quoi. Bon, après, je suis parti plus au nord, mais sinon, heureusement, ouais. Ouais. J'ai bien aimé ton petit mur aussi, Hannibal, vraiment juste pour prévenir un petit raid, ça coûte pas grand chose, surtout là, ce qui manquait comme mur, c'était que dalle. C'était bien fait. Bien fait. Après, j'avais toujours peur qu'il passe par ma base, mais bon, pendant que je suis au combat, je me suis dit, vu la compo de la fête, je pense pas qu'il pourra se permettre d'envoyer Ouais, puis Indien, c'est une cible qui n'arrête pas. Enfin, je veux dire, à part les hussards que tu peux faire venir du consulat, c'est pas avec des soars que tu vas aller raider, ni même avec des maouts. Du coup, c'est compliqué, quoi. Ouais. Ok, bah en tout cas, merci à vous deux, c'était super merci. Sympa. C'est dommage, parce que aussi, je le connais bien. Pas trop déçu, Ostid? Si. Si, quand même. Bah, moi, la game en vrai, elle, j'avoue que j'ai fait n'importe quoi. J'ai fait trop de Gurkha, pas assez de Zandbrak. J'ai été beaucoup en retard sur mon timing. Ouais. Je vais passer l'Ashtar, genre. Ouais, t'as passé l'Ashtar, ouais. Bah, moi, où j'ai ragé, c'est la première partie. Je me suis dit non, putain. Ça marche.